Katina mokilo o kamba Yesue kamba ngai kamba ngai Yesue kamba Yesue kamba ngai kamba ngai Yesue o prince de paix prince de paix prince de paix sois loué tu es bon Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon, tu es bon. Mon Seigneur, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Kolo ngai moko nzambe ora kokite Bona kote abato ngai moko na kokite Bona musala na yo ngai moko na kokite Yakayo kamba ngai kati na mokilio yo Yaka yo sunga ngaye, ngaye moko na kongi. Oh, kamba Yesue, kamba ngaye, kamba ngaye, Yesue. Kamba Yesue, kamba ngaye, kamba ngaye. Une dernière fois. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur, une dernière fois, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué. Sois loué, tu es bon, tu es bon, mon Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce matin, merci pour la grâce que tu nous as faite. Nous voulons t'écouter. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse 4. Nous allons lire les 10 premiers versets. Genèse 4, on va prendre les 10 premiers versets. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn et elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il
Et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Et si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui, les tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, là c'est 11. Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin avec un thème qu'on a intitulé Ne meurs pas la mort d'Abel. Ne meurs pas la mort d'Abel. Cette histoire commence après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin. Mais il leur laisse la vie et en fait, il les laisse la vie. En fait, ils devraient mourir ces jours-là. Mais Dieu leur a préservé la vie. Dieu ne les a pas tués. Par contre, Dieu les a préservé la vie. Dieu, pour préserver leur vie, Dieu tua des animaux. Et il prit de leur peau, malgré leur faute, Dieu leur couvrir des peaux. Nous sommes dans Genèse 3, 21. Là, Dieu se décide, malgré la faute, malgré la désobéissance d'Adam et de Ève, Dieu se décide de ne pas les tuer. Dieu a préservé leur vie. Dieu ne les a pas tués, mais il a préservé leur vie. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te préserve la vie en tout temps et en tout lieu, que Dieu te garde en bonne santé, même si tu n'as pas raison devant Dieu, mais à cause de l'alliance qui te relie à lui par Jésus-Christ, que ta vie soit préservée, que ta santé soit préservée, et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu protège tout ce qui t'appartient, que Dieu te protège au nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu protège, mais Dieu quand même a donné des conséquences. Et parmi les conséquences qu'il a données, il a chassé Adam et Ève dans les jardins. Et nous nous sommes retrouvés en plein temps de ces versets, de ce chapitre 4, qui parle en fait de ces textes que nous sommes en train de lire. Dans le chapitre 4, où nous sommes en train de lire, où nous avons lu, nous sommes en train de voir que quand même Dieu a béni Adam et Ève en leur donnant deux enfants qui sont Caïn et Abel. Et chacun de ces deux enfants avait des activités. Caïn était cultivateur et Abel était un berger. Les deux enfants évoluèrent et dans leur évolution, ils ont appris la culture des offrandes.
Et dans la culture des offrandes, ils se sont présentés devant Dieu avec le produit de leur travail. Et c'est en ce moment que, pendant qu'ils donnaient leurs offrandes, Dieu, par contre, agréa Abel et son offrande, et Dieu rejeta Caïn et son offrande. Encore ici, je veux faire une déclaration. Je lève ma main droite, que Dieu t'accepte en tout temps et en tout moment. Que Dieu t'accepte toujours dans sa présence. Que Dieu t'accepte quand tu amènes ton offrande le matin, à midi et le soir. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais rejeté par Dieu comme Caïn. Je disais que tu ne seras jamais rejeté comme Caïn. Parce que Caïn a été rejeté et Abel a été accepté. Que tu sois toujours accepté dans la présence de Dieu par tes offrandes. Que tu ne sois jamais rejeté. Et cela au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon micro n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Je vais changer les micros. Je ne sais pas ce qui se passe là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on remarque encore dans ces textes? Parce que Dieu l'a rejeté, Caïn s'est fâché. Caïn s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre Dieu. Caïn s'est mis en colère contre Dieu. L'Éternel lui-même a rejeté Caïn. Mais Caïn se fâche. Dieu dit à Caïn, si tu veux, arrange ton cœur. Ne sois pas trop regardant vers ce que tu as manqué. Au contraire, agis bien et tu relèveras ta tête. Dieu est en train de donner une solution à Caïn, malgré que Caïn était toujours en train de refuser de voir cela. Ça m'a amené à comprendre une chose. Caïn était ce genre des enfants où, dès leur bas âge, dès que tu leur interdis de faire quelque chose, ils se fâchent. Dès que tu leur interdis de faire quelque chose, ils se fâchent. Dès que tu leur dis de ne pas déranger, ils se fâchent. Dès que tu leur dis de ne pas prendre la chose qui ne leur appartient pas, ils se fâchent. Et il a grandi ainsi. Et cela a forgé en lui un caractère. Cela lui a rendu un cœur mauvais. Cela lui a donné l'état d'un homme méchant. Cela lui a rendu le caractère d'un homme méchant. Cela lui a rendu un cœur tordu. Cela lui a rendu un cœur méchant. Parce que Caïn ne supporte pas le succès des autres personnes. Caïn ne supporte pas le succès des autres personnes. Caïn est ce genre de personne, quand tu fais du bien, et lui, il cherche toujours à te déstabiliser à tout bout de champ. Caïn est ce genre de personne, même si tu lui donnes l'accès, il est ce genre de personne, quand tu lui donnes l'accès, il vient détruire tout ce que tu as créé. Caïn est ce genre de personne qui accepte pas la progression des autres. Caïn, en bref, est une personne jalouse. Caïn, en fait, est une personne jalouse. Caïn, son mauvais comportement lui a rendu méchant. Caïn, ce genre de personne, son comportement a ouvert une porte à la méchanceté par la jalousie. J'aimerais dire à une personne ce matin, attention au Caïn. Au Caïn, ils sont des gens méchants jaloux. Caïn sont ces gens qui sont méchants et aussi jaloux. Caïn sont ces gens qui sont méchants, mais qui sont aussi jaloux. J'aimerais dire à une personne, la jalousie est la clé qui ouvre la porte à la méchanceté. La jalousie est la clé qui ouvre la porte à la méchanceté. En ce,
En ce jour, j'aimerais te dire, attention, il ne faut pas mourir la mort d'Abel à cause de la méchanceté de Caïn. Ne meurs pas la mort d'Abel à cause de la jalousie des gens qui sont autour de toi. J'aimerais te dire, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Même si toi, tu ne le sais pas, mais tu dois quand même être informé qu'il y a de ces personnes qui sont toujours levées pour chercher à te déstabiliser. Ils sont jaloux parce que Dieu t'élève. Ils sont jaloux parce que Dieu veut te faire avancer. Ils sont jaloux de toi. Tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient de cela. Ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec toi. Je suis venu tuer la naïveté dans le cœur d'une personne ce matin. Je suis venu tuer la naïveté dans la pensée d'une personne ce matin. J'aimerais te dire, ne pense pas que Caïn t'aimera parce que Dieu t'a agréé. Ne pense pas, Caïn t'aimera parce que tes affaires sont en train de prospérer. Ne pense pas que Caïn va t'aimer parce que tes affaires sont en train de fleurir. Caïn est ce genre de personnes qui sont jaloux de toi malgré que tu les as rien fait, malgré que tu leur parles pas, malgré que tu es loin d'eux. D'autres sont, tu es avec eux, mais ils cherchent toujours à te déstabiliser. Je suis venu ce matin tuer la naïveté dans le cœur d'une personne. Si tu étais naïf, je suis venu t'ouvrir les yeux et te dire, attention, attention à Caïn. Car Caïn a un cœur de jaloux. Caïn a déjà ouvert la porte de la méchanceté par la jalousie. Caïn est déjà près de toi dans ton environnement. Attention à Caïn. Ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec toi à 100%. Ne pense pas que tout le monde t'aimera à 100%. Je t'ai dit que tu le saches qu'il y a des gens qui te détestent. Qu'il y a des gens qui ne supportent pas que tu avances. Il y a des gens qui ne supportent pas ton progrès. Il y a des gens qui ne supportent pas ta percée. Tu me diras, prédicateur, pourquoi tu dis ces choses? À un dimanche, tu devais nous prêcher la grâce, l'amour. Pourquoi tu nous dis ces choses? Je vous dis ces choses parce que pourquoi sur la terre nous avons des empoisonnements? Des empoisonnements. Une personne est empoisonnée par son entourage. Pourquoi il y a des empoisonnements? Pourquoi il y a des guerres à gauche et à droite? Ça tire en Ukraine, ça tire en Russie, ça tire dans mon pays, la République démocratique du Congo à l'est de la RDC. Ça tire à tout moment cette zone de l'est de la RDC. Ça tire. Vous pensez que c'est pourquoi? Pourquoi les gens sont tués à l'est de la RDC? Pourquoi les églises se divisent? Pourquoi, même dans des couples, tu vas voir, il y a des femmes qui tuent leur mari. Il y a des femmes qui tuent leur mari. Il y a des maris qui tuent leur femme. C'est parce que il y a la jalousie qui a ouvert la porte à la méchanceté. Je suis venu parler à une personne. Ne sois pas naïf. 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 Ne sois pas du tout naïf. Je suis venu tuer la naïveté dans le cœur d'une personne ce matin. Je suis venu tuer la naïveté dans le cœur d'une personne ce matin. Il y a des... Je suivais sur Netflix, et on a mis une série des choses vraies, des témoignages des gens qui ont fait de ces actes. Il y a une femme en Brésil qui a tué son mari. Il a pris l'arme. Ils avaient des armes dans leur appartement. Il a tué son mari. En tuant son mari, il lui a coupé comme on coupe la viande
la viande de vache, la viande de toutes sortes de viandes que vous voulez, la chèvre. Il a vraiment coupé, sectionné et il a pris, il a mis dans des sacs et après cela, il est parti le jeter et après on l'a arrêté. Là, une personne est morte gratuitement. Parce que il y a la méchanceté a été accentuée. Tu t'imagines la femme avec qui tu dors avec, la femme avec qui il te prépare à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme arrive à ce niveau? Je vis encore notre série. Moi, je suis le genre de personne qui regarde le fait de ce qui se passe dans le monde. Il y a encore sur Netflix, cette fois-ci, aux États-Unis, une femme qui tire son petit ami et qui le sectionne pour le jeter. Et il a fui et l'homme est mort. Et la maman du garçon qui était décédé est mort parce qu'il n'a pas supporté le choc de voir son fils tué, sectionné en morceaux par une personne qu'elle aimait. La maman n'a pas pu supporter, elle a craqué. Pourquoi? Parce que vous pensez que là où nous sommes, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Si vous prenez les livres de Jérémie 17, verset 9, on va lire rapidement. Jérémie 17, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux et plus que tout est incurable et qui peut le connaître. Si nous prenons dans Matthieu 15, 19, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 15, 19, Matthieu 15, 19, la Bible dit ceci, Matthieu 15, 19, en effet, c'est du cœur que vient le c'est du cœur que viennent les mauvais pensées de meurtre, des adultères, de l'immoralité sexuelle, de vol, de faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Oui, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans y être lavé les mains, cela n'ira pas impur. Mais ce qui rend l'homme impur, ce sont les vaines pensées, les mauvaises pensées de meurtre, les pensées d'adultère, oui, les moralités, les vols, les faux témoignages, des calomnies. Oui, il y a des pasteurs qui sont ancrés dans la calomnie. Pasteur ancré dans la calomnie, pasteur racontant des faux témoignages, vous avez des mauvaises pensées. C'est pas parce que vous avez mangé qui vous rendra impur. C'est pas parce que vous avez mangé les mains sales qui vous rendra impur. Mais l'impureté du cœur, c'est d'avoir les pensées tordues, d'avoir en tête de parler du mal des gens dans vos cœurs. Vous êtes méchant là où vous êtes. Vous avez ouvert la porte à la jalousie. Quand nous prenons Marc 7, à partir du verset 21 et 22, Marc 7, 21 et 22, ça dit ceci. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les pensées d'immoralité sexuelle, les pensées de meurtre, les pensées de vol, les soifs de posséder, la méchanceté, le fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rend l'homme impur. Ça rend l'homme impur. Que ça soit dans le foyer,
homme, si tu as ces pensées, ça te rend impur. Que ça soit dans le mariage, maman, si tu as ces pensées, ça te rend impur. Que ça soit dans le pays, si c'est le politicien. Politicien, si vous avez cette pensée de voler le caisse de l'État afin de vous enrichir, ça vous rend impur. Si cela est dans le cœur du peuple, j'aimerais dire aussi au peuple, si vous ne croyez pas les efforts fournis par vos dirigeants, vous êtes aussi impur par vos cœurs. Ça se passe à l'église, avec des pasteurs, des leaders des églises. Si vous avez à cœur ces choses, c'est de la folie. La Bible dit que c'est de la folie. Il y a de ces pasteurs qui ont de la folie à cause de ces mauvaises pensées. C'est de la folie, c'est de l'orgueil. Calomnier l'autre, c'est de la folie et c'est de l'orgueil. J'aimerais encore le dire pour le peuple de Dieu. Celui qui calomnie ses dirigeants, lui aussi a attrapé la folie. Quand tu calomnies celui qui te prêche et qui prie pour toi, tu auras la malédiction parce que quand il prie la bénédiction, l'état de ton cœur change sa prière en malédiction. Je suis venu parler à une personne pour tuer la naïveté. Abel, 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 Caïn a déjà ouvert la porte de la méchanceté. Caïn est jaloux. Caïn est jaloux. Caïn est jaloux. Attention, j'aimerais mettre l'équilibre. J'aimerais mettre l'équilibre. Je suis une personne qui écoute trop les prédications, mais qui sont équilibrées. Là, je pense au pasteur Marcelo. Quand il prêche, il aime mettre l'équilibre. Je veux mettre l'équilibre. Je ne prêche pas la méfiance. Non, je ne prêche pas la division. Non plus, je ne prêche pas la haine. Non plus, nous avons besoin de gens pour nous aider. Nous avons besoin de gens pour avancer. Nous avons besoin de la famille pour avancer. On a besoin des amis pour avancer. On a besoin de gens à tout moment pour nous soutenir, pour nous venir en aide. Nous avons besoin de gens. Dès la naissance d'une personne, déjà à la naissance, tu ne nais pas dans ton ventre. Ta maman t'a prêté son ventre pour que tu puisses naître. Et quand tu es né, il y avait encore les infirmiers qui t'ont regardé pour voir que tout est bon. Et ensuite, on t'a nourri. Et ensuite, on t'a aidé à marcher. Et ensuite, on t'a vêtu. Et ensuite, tu as grandi. Et ensuite, il y avait une personne qui t'a enseigné à l'école. Après l'école, il y a des gens qui t'ont enseigné à l'université. Ensuite, on t'a fait des cadeaux. Ensuite, tu es parti à l'université. Tu as obtenu un diplôme, te voilà un grand monsieur, te voilà une grande dame. Je ne prêche pas la division, je ne prêche pas la méfiance, je ne prêche pas la division, la haine. Mais ce que je prêche l'unité, mais en ayant en cœur la prudence. Nous sommes dans Genèse 2, verset 18. Dieu est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela est déjà écrit dans la création. Que l'homme ne peut pas être seul. L'homme ne peut pas être seul. Dieu a dit, l'homme ne peut pas être seul. Dieu a dit, l'homme ne peut pas être seul. Mais je prêche ce matin la prudence. Je prêche ce matin la prudence. Je prêche ce matin d'être prudent. Si nous prenons Matthieu 16, Matthieu 10, verset 16, j'allais dire. Matthieu 10, verset 16. Qu'est-ce que ça nous dit? Matthieu 10, verset 16. Ça dit quoi? Matthieu 10, verset 16. Ça dit... Puis il prit dans ses bras les brebis. Est-ce que... Non, je suis dans Marc. Je parlais de Matthieu, mais je suis dans Marc. Matthieu 10, verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et purs comme la colombe. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux
et vous fouetteront dans les synagogues. Ils vous fouetteront dans les synagogues à cause de moi. Ce matin, je parle de la prudence. Ce matin, je ne prêche pas la haine. Je ne prêche pas le racisme. Je ne prêche pas le tribalisme. Mais je prêche la prudence. Parce que le Christ lui-même nous a dit, soyez prudents comme le serpent. Tu dois savoir, tu dois le savoir si tu ne le savais pas. Mais aussi, je te le rappelle, si tu l'avais oublié, que Caïn a tué son propre frère de père et de mère. Tu dois le savoir que David a tué son proche collaborateur pour prendre sa femme. Que Amnon a violé Tamar, sa propre sœur, à cause de sa beauté. À cause de sa beauté. Tu n'es pas obligé de subir la méchanceté que des gens ont décidé contre toi. Tu n'es pas obligé de subir la méchanceté que les gens ont préparé contre toi. Tu n'es pas obligé de vivre cela. 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 Tu n'es pas obligé de mourir la mort d'Abel. Je lève ma main droite et je prophétise et je déclare, tu n'as pas rendez-vous avec la mort dans 5 ans. Je disais, tu n'as pas rendez-vous avec la mort dans 15 ans. Je disais, tu n'as pas rendez-vous avec la mort dans 50 ans. Parce que Jean 10, 10 est en train de dire, je suis venu pour que le brebis, Jean 10, 10, verset partie B, je suis venu pour que mes brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Non à la mort permissive. 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 C'est pas que tu as beaucoup souffert à cause du poison, tu as beaucoup souffert à cause de la maladie, tu as beaucoup souffert parce que tu as manqué de traitement et Dieu dit bon, je permets qu'il meure. Non à la mort permissive. Il n'y a pas de mort, de mourant permissive ici dans cette salle et même toute personne qui suivra cette vidéo. Non à la mort permissive. Ton partage, c'est la santé divine. Ton partage, c'est la longévité. Ton partage. Je lève ma main droite et je déclare, tu ne mourras pas la mort injuste, la mort d'Abel. Je lève ma main droite et je déclare, tu ne mourras pas la mort injuste, la mort d'Abel. Dans Psaume 91, verset 1, le verset 7, la Bible dit que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Mais à ce qui te concerne, tu ne seras pas atteint. La mort ne te touchera pas. J'aime Esaïe, le verset 54 et 15, qui est en train de dire, c'est lui, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel des armées. Celui qui se liguera contre toi tombera. Celui qui se lève pour te tuer tombera. Celui qui se lève à cause de la jalousie pour te mettre par terre tombera. Celui qui se lève pour chercher à te détruire tombera. Il tombera devant ta puissance. Non à la mort sans la volonté de Dieu. Je disais non à la mort sans la volonté de Dieu. La Bible dit dans Psaume 90, verset 10, la volonté de Dieu, c'est que le plus robuste meurt à 70 ans. Et le robuste meurt à 70 ans. Et le plus robuste à 80 ans. Oui, tu n'as rien fait à Dieu pour mourir très tôt. Non, si ce n'est pas l'enlèvement, tu as droit à la longévité. Si ce n'est pas l'enlèvement, tu as droit à la longévité. Je refuse cette mort. Oui, c'est une mort précoce dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. La reine d'Angleterre a vécu 96 ans. 96 ans. 96 ans. Le roi Charles a eu le pouvoir de devenir roi
avec 73 ans. Cela veut dire, même à 73 ans, tu peux encore faire de grandes choses. Je refuse la mort dans ta vie. Je refuse la mort dans ma vie. Je refuse la mort dans nos vies. C'est soit ici et à ceux qui nous suivront à l'île, tu ne mourras pas. La mort qu'est mort Abel, c'est là au nom de Jésus-Christ. La longévité est ton partage. La santé divine est ton partage. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Deux choses ont fait que Abel puisse mourir par sa propre faute. Abel a fait deux erreurs et qui l'ont fait qu'il meure par sa propre faute. La première erreur que Abel a fait, Abel a quitté l'alliance. L'alliance de la présence de Dieu. Et la deuxième faute, Abel ne s'est jamais défendu devant son frère. Il n'a jamais dit un mot et il ne s'est jamais battu. Et je ne sais pas, est-ce qu'il avait 5 ans, est-ce qu'il avait 3 ans, mais est-ce qu'il y a 3 ans, tu peux comme donner un sacrifice des animaux pour tuer quelque chose comme une chèvre, comme je ne sais pas moi, un bouc. Quand même, tu dois avoir la force de le soulever. Ben, comment est-ce que lui... Je ne comprends pas. Je pense qu'il avait plus que ça. Mais il ne s'est jamais défendu. Il ne s'est jamais battu. Il n'a jamais parlé. J'aimerais dire deux choses avant de finir. Par surprise. Ok. On va voir. Je vais dire deux choses pour... Je vais dire deux choses pour conclure ce matin. Afin que tu ne meurs pas la mort d'Abel. Premièrement, ne jamais quitter l'alliance de Dieu. Ne jamais quitter la présence de Dieu. Ne jamais quitter l'alliance de Dieu. Ne jamais quitter la présence de Dieu. Abel, tu es en train d'offrir une offrande. Je me pose cette question. Qu'est-ce qui a fait que Abel en train d'offrir une offrande, qui laisse l'offrande et qui se déplace pour suivre Caïn? Non! Moi, je pense que si Abel avait refusé de se déplacer et dire « Moi, je dois finir mon offrande avant de me déplacer », Abel n'allait pas mourir. Si Abel est mort, c'est parce qu'il a laissé son offrande. Parce qu'il a laissé son offrande et il est parti. Là où il était, il y avait la présence, l'alliance de la présence. Mais quand il s'est déplacé, là où il est parti, Dieu n'était pas là. Mais Dieu est resté là où il avait laissé son offrande. Oui, je pense qu'Abel ne devait pas déplacer de la présence de Dieu. Jean 15, verset 15, la Bible dit, Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, il portera mes fruits. C'est pourquoi dans Psaume 91, la Bible est en train de dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Oui, dans l'alliance de Dieu, celui qui reste attaché à Dieu, oui, il hérite de la protection de Dieu. Restons à Christ pour avoir la protection. 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 Restons à Christ parce qu'en Christ, c'est la sécurité. En Christ, c'est la protection. En Christ, c'est la joie. En Christ, c'est la paix. En Christ, c'est la vie. En Christ, c'est la paix, la santé. En Christ, c'est la sanctification. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons la santé. En Christ, nous avons la joie. En Christ, nous avons la vie. En Christ, nous avons sa bonté. En Christ, nous avons tout ce qu'il a promis. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Restons à Christ. J'aimerais dire à Abel, reste en Christ. Ne pars pas accompagner Caïn dans la boîte de nuit parce que tu perdras ton onction. Ne pars pas accompagner Caïn parce qu'il veut voler en banque, parce que tu risques d'aller en prison. Ne pars pas accompagner Caïn parce qu'il veut que vous partiez,
prendre le mari d'une autre femme. Parce que quand tu prendras le mari de cette femme, sa famille sera en difficulté. Ses enfants manqueront l'argent pour payer les minervales. Les enfants manqueront l'affection de leurs parents. Ne pars pas, Abel, ne suis pas Caïn. Ne pars pas avec Caïn. Oui, dans la médisance. Oui, Abel, ne suis pas Caïn en calomniant les hommes de Dieu. Abel, ne suis pas Caïn en suivant le mal qu'il est en train de faire. Abel, reste en Christ. Abel, reste en Christ. Abel, reste en Christ. Restons à Christ, parce que en Christ, c'est la solution. En Christ, c'est la paix. En Christ, c'est la joie. En Christ, c'est là où nous devons nous trouver. En Christ, nous ne devons pas suivre Caïn dans la boîte de nuit. Dans Caïn, il nous apportera même dans le chambre des francs-maçons. Mais il faut refuser d'aller accompagner Caïn dans ses plans de francs-maçons. Parce que en Christ, nous avons la protection. En Christ, nous avons la sécurité. En Christ, nous avons la joie. Hier, je regardais une vidéo. Les gens étaient quelque part en quittant là où ils étaient, ils ont connu un accident et cela a causé la mort d'autres personnes. Mais là où ils étaient, maintenant ils commençaient à dire, oh Seigneur Jésus, sauve. Je me suis mis à rire en disant, bon, il peut sauver, oui, parce qu'il est souverain, mais est-ce que là où vraiment vous demandez qu'il sauve là, ben, je ne sais pas, je pense qu'il ne va pas sauver. Parce qu'en Christ, en Christ, il y a la protection. Là où il s'est trouvé, il n'y avait pas la protection du Christ. En Christ, il y a la protection. En Christ, il y a la paix. En Christ, il y a la vie. J'aimerais dire à Abel ce matin, ne suis pas Caïn, reste en Christ. Deuxième des choses, pour finir ce matin, nous allons dire ceci encore. Abel devait parler pour se défendre. Je pense que Abel devrait parler pour se défendre. Je pense que Abel devait dire, « Oh grand frère, je suis ton petit frère. C'est toi qui m'as donné, tu m'as laissé le sein maternel. Je viens après toi. » Je pense si Abel avait parlé pour se défendre, je pense, à moins qu'on l'ait eu par surprise, mais je pense si Abel avait parlé pour se défendre, son frère n'allait pas les tuer. J'aimerais dire, même les criminels, celui qui tue des gens, ont droit à des avocats pour leur défendre et leur préserver la vie. Même s'ils ne seront pas en liberté, quand même qu'ils soient en vie mais en prison, on peut tromper sur une personne qui est décédée, mais on ne peut jamais tromper sur une personne qui est vivante. Des fois, dans la vie, c'est bien de se taire, comme Ecclésiaste 3, verset 7 nous dit, chaque chose a son temps, un temps pour se taire, mais à un moment de la vie, il n'y a plus un moment où tu dois seulement te taire. À un moment de la vie, tu dois parler pour te défendre. Tu dois parler pour ta cause. Tu dois parler pour te défendre. Attention aux manipulateurs qui aiment détruire la réputation des gens dans le cœur des autres. Si tu sais qu'un manipulateur a parlé contre toi, va voir la personne sur laquelle on a dit des mauvaises choses sur toi et défends ta cause. Oui, c'est bien de se taire, mais à un moment, non, il faut parler pour défendre sa cause. Abel est mort et on a mal parlé, on l'a tué parce qu'il ne s'est pas défendu. Tu n'as pas le droit de mourir comme Abel. Moi, je m'appelle pas Abel. Moi, je m'appelle Gaston Archib Choukou parce que Abel ne s'est pas défendu. Mais nous autres, nous devons nous défendre et avoir la capacité de parler. Si nous prenons Proverbe 31, 8 à 9. La Bible dit, ouvre ta bouche
pour celui qui ne peut pas s'expliquer. Pour la cause de tous ces délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et les pauvres. Dans ce domaine, mon père a l'habitude de dire, moi, je peux manquer à manger, mais s'il faut parler là, ah non, il faut parler. Des fois, il faut parler. Des fois, il ne faut pas accepter de fermer la bouche. Des fois, il faut dire non, non, non. Ici, ce n'était pas comme ça. Voilà la vraie version de la chose. Parce que celui qui parle mal de toi est en train de détruire une balance. Et quand toi, tu parles pour ton faveur, pour ta cause, tu es en train de remettre la balance pour que la personne puisse avoir la capacité de juger ce qu'on lui a dit. Ésaïe 43, verset 18. La Bible dit, c'est 43, 18, 43, 26. 43, 26. La Bible dit, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il est en train de dire, réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Même Dieu, il veut que tu parles toi-même pour te défendre. À un moment, quand c'est trop, quand c'est trop plein, quand la limite arrive, quand le bidon est rempli à un niveau, c'est trop. Dieu te dit de parler, de plaider pour ta cause. Vous savez, même Dieu, quand nous venons dans sa présence, nous prions, nous élevons les mains et nous parlons à Dieu. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu connaît tout, mais Dieu te demande quand même de parler dans sa présence. Parle pour te défendre, Abel. Abel ne meurt pas comme un agneau qu'on amène à la boucherie, non. Parle pour te défendre. Parle pour te défendre. J'aime Jésus. Jésus, même quand on lui a mené à la croix pour le crucifier, on lui a dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus dit, tu l'as dit. Oh, mais toi, on veut te tuer. Reste calme. Jésus dit, même dans les dernières minutes, moi, je ne veux pas fermer ma bouche. Jésus dit, oui, tu l'as dit. Je suis le roi des Juifs. Et Jésus, à la croix, on avait tout cloué, ses bras, ses pieds. On a même mis les couronnes d'épines. Mais Jésus quand même était en train de parler. Et il a dit, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Jésus en train de donner la loi pendant qu'il était en train de mourir à la croix. Jésus est venu pour nous défendre. Mais il a parlé. Quand on est venu l'arrêter, on est venu l'arrêter et avec beaucoup des armes, il a dit, je peux appeler les anges pour venir vous calciner, mais je ne le ferai pas parce que c'est le moment, c'est votre temps. Jésus a laissé faire parce que c'était le temps, parce que c'était le temps. Jésus a laissé faire parce que c'était le temps. Mais Jésus, avant de mourir, il a dit, tout est accompli parce qu'il a fini la mission. Parle pour te défendre. Même le Christ a parlé pour nous défendre. Jésus a parlé pour nous défendre. Tu dois parler aussi pour défendre tes enfants, pour défendre ta femme, pour défendre ta cause devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, nous parlons dans la prière, mais devant les hommes, nous parlons. Oh oui, j'aime une personne qui vient te parler en face, qu'une personne qui parle de toi derrière ton dos à ton absence et qu'on te rapporte des paroles qu'il a dit sur toi et toi tu es en train de rire parce que lui il est en train de faire des commérages mais toi tu connais la vérité, peut-être que lui il est en train d'ignorer. Parle pour te défendre. Même Jésus, à la mort, à la croix, il a parlé pour nous défendre. Que Jésus est mort à la croix, mais il parlait pour nous défendre. Mais que tu meurs sans parler, cela n'est pas bon. Je ne veux pas que, en prêchant ce message, je ne veux pas que tu deviennes comme le perroquet qui parle sans raisonnant. Tu dois parler quand c'est vraiment le moment, quand c'est vraiment important de dire non. Là, on est en train de dire quelque chose. Il risque de m'amener à la mort d'Abel. Je connais un roi dans la Bible. Il y avait deux rois. Quand vous prenez deux chroniques 18,
19, 20, 21 et 22 pour comprendre l'histoire. Il y avait deux rois, Akab et Josaphat. Akab et Josaphat, ils voulaient aller en guerre parce qu'ils étaient en accord. Et quand ils partaient en guerre, ils ont appelé les prophètes. Le prophète Michée lui a dit, Akab, tu partiras dans ce combat, mais tu ne reviendras pas, tu mourras. Le roi Akab l'a mis en prison. Il a dit, quand je reviendrai, je te tuerai. Et le prophète est allé en prison. Akab et Josaphat sont partis en guerre. Akab s'est déguisé. Il a porté des perruques. Il a mis des maquillages pour qu'on ne le reconnaisse pas. Mais Josaphat, lui, par contre, il est allé à la guerre avec ses habitudes, avec les habits royaux, avec la couronne, avec son épée. Et les gens ont reconnu les rois, les adversaires, parce qu'ils étaient là. Ils voulaient tuer Akab, parce qu'ils n'avaient pas mission de tuer Josaphat. La guerre contre Akab était juste de le tuer lui, parce que Dieu voulait que Akab puisse mourir. Et Josaphat, en combattant, en combattant, en combattant, en combattant avec ces gens, il a vu qu'on voulait les tuer. Et Josaphat a poussé un cri. A poussé un cri. Je me suis dit, s'il était quinois, il allait crier, Ezangaité! Ezangaité! Ce n'est pas moi le roi que vous êtes en train de chercher pour tuer. Et ces gens l'ont laissé et ils sont partis. Si Josaphat n'avait pas crié, si Josaphat n'avait pas parlé, si Josaphat n'avait pas poussé les cris, je pense ce jour-là, Josaphat allait mourir la mort d'Akab. Mais puisque Josaphat avait su le moment de parler dans les champs de bataille, quand ça devient très compliqué, il pousse un grand cri et il dit, hey, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et on le laisse tranquille et on part chercher Akab. Et on a tiré une flèche. La flèche est allée toucher Akab dans la défense de la cuirasse, malgré qu'il était déguisé. Akab est mort ce jour-là. Et Josaphat a été libéré parce qu'il a failli mourir la mort d'Akab. Abel, tu n'es pas obligé de mourir la mort que Caïn te prépare. Tu peux te défendre en parlant. Mais surtout, reste attaché à Christ, parce que c'est lui le défenseur de faible. C'est lui le défenseur de faible. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Merci parce que nous devons parler pour notre cause. Mais au-delà de parler pour notre cause, ce qui est important encore plus, c'est de rester dans ta présence. Nous voulons rester longtemps dans ta présence. Nous voulons rester longtemps dans ta présence. Nous voulons rester ici longtemps dans ta présence. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester dans ta présence. Mais ô tendre Père, quand le combat deviendra fort, quand cela deviendra rude, quand les gens voudront nous attaquer, tu as dit que nous serons prudents comme